Inch'Allah, qu'est-ce qu'on va voir dans cette petite séquence? Quelle est la différence entre la transformation physique et la transformation chimique? La transformation physique, c'est déjà vu en première année. Dans une transformation physique, on garde les mêmes substances avant et après la transformation. Ça, c'est important. Les mêmes substances. Ce que j'ai avant, j'aurai après la transformation. Je vais l'expliquer encore une fois. C'est-à-dire, il y a changement de la substance au niveau de son aspect extérieur. هناك تحول في المظهر الخارجي فقط. Quand on a une transformation physique, je vais donner un exemple pour bien comprendre. Par exemple, qu'est-ce que j'ai pour la solidification de l'eau? Vous connaissez tous l'eau, il a une formule chimique. Qui rappelle la formule chimique de l'eau? Oui? H2O. H2O. Donc j'ai H2O à l'état liquide. Je vais mettre un tout petit peu d'eau dans un récipient et je vais le mettre dans le réfrigérateur, par exemple. Donc, il va se solidifier. Ou bien dans le congélateur, c'est ça. Il va se solidifier. Il va devenir solide. Donc, j'aurai toujours le H2O, mais à l'état solide. J'ai la même substance, que ce soit avant ou après. Au niveau moléculaire, si je veux représenter H2O, que ce soit liquide ou solide, à l'aide du modèle moléculaire. J'ai une sphère rouge et deux sphères blanches. H2O, c'est ça. Donc avant, j'avais H2O à l'état liquide. Sa formule chimique, c'est ça. Son modèle moléculaire, c'est ça. H2O, et voilà le modèle moléculaire. Donc, après, j'ai la même forme chimique et automatiquement le même modèle moléculaire. Donc, la substance n'a pas changé. Vous voyez, qu'est-ce qui a changé? L'aspect extérieur, j'avais de l'eau qui coule à l'état liquide. Il coule, c'est ça son aspect. Il est devenu solide, cette eau. Elle coule, je voulais dire. L'eau, elle coule à l'état solide. Elle est devenue solide, je peux la saisir entre les mains. Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle une transformation physique. Mais la matière ou bien la substance reste la même. Par contre, si je me déplace vers la transformation chimique, comment connaître si j'ai une transformation chimique? D'abord, il y a disparition des substances et apparition de nouvelles substances. Je vais m'expliquer en donnant cet exemple. On a vu la combustion du butane. Vous voyez, dans la combustion du butane, qu'est-ce que j'ai? Le carbone qui va réagir avec le dioxygène pour donner le dioxyde de carbone. Au niveau moléculaire, c'est-à-dire si je travaille avec le modèle moléculaire, c'est quoi le carbone? Ce sont des atomes qui sont des uns à côté des autres, des atomes de carbone. On les représente par une sphère noire. Donc il suffit de la dessiner une seule fois. Qu'est-ce que c'est que le dioxygène? Il s'agit des milliers de quoi? De deux sphères rouges qui sont associées entre eux. Les atomes sont associés entre eux de quoi? De l'oxygène pour donner ce qu'on appelle le dioxygène. Ça se répète des milliers de fois. Vous êtes d'accord? Donc, qu'est-ce que ça donne? Un nouveau produit, une nouvelle substance. Il s'agit de CO2, une sphère noire. Oui, au milieu, associé à deux sphères rouges. Vous voyez, il y a une différence là. Ça est différent de ça. Ça est différent de ça. Par contre, ici, j'ai la même chose. Vous voyez, le même dessin. Vous voyez, dans une transformation physique, je garde toujours le même modèle moléculaire. Et sinon, donc voilà, ils sont différentes, je parle des substances, ils sont différentes. Le carbone, c'est un corps solide, voilà mon carbone, voilà le carbone, il y a 90% du carbone, voilà, c'est un corps solide que je peux saisir entre les mains.
Le dioxygène, il est dans l'air, c'est un gaz, je ne peux pas le saisir, je ne le vois pas. Ça donne quoi? Un nouveau gaz qui trouble le dessous. Vous voyez? Donc, je pense qu'on va passer à l'exercice. Voilà. Donc, cochez la bonne réponse. Vous voyez? J'ai la transformation physique et la transformation chimique. La combustion du papier. Quand on fait brûler le papier, il disparaît. Donc, tant qu'il y a une combustion, automatiquement, il y a disparition de quoi? De comburant et de combustible. Les deux disparaissent. Donc, qu'est-ce que je vais cocher? Transformation physique ou bien chimie? Oui, ça va? On va cocher la transformation chimique. Chimique, c'est une transformation chimique. Je passe à l'évaporation de l'alcool. Voilà. Vous voyez là, j'ai de l'alcool. En contact de l'air, je vais sentir de l'alcool. En contact de l'air, je vais sentir de l'alcool. Voilà. Qu'est-ce qui se passe exactement? L'alcool s'évapore. Il se transforme en quel état? Quel état? Oui, toi? De l'état liquide à l'état gazeux. Donc, il y a ici de l'alcool, mais à l'état gazeux, je ne le vois pas. Donc, c'est une transformation physique ou bien chimique? Oui, oui, toi? La deuxième table. Transformation physique. C'est une transformation physique. Donc, je vais cocher ici. Physique. Combustion de l'alcool. Si je fais brûler l'alcool tout de suite, c'est autre chose. Je travaille toujours avec l'alcool. Voilà. Donc, après 2 ou 3 jours, si je laisse la combustion continuer, qu'est-ce qui va se passer à l'alcool? Est-ce qu'il va rester ici? Non. Il va disparaître. Il va disparaître. Donc, dès que j'entends disparaître, je pense à quoi? À là? Les autres? Oui, oui, Malak? La transformation physique. Disparaître. Là, disparaître. L'alcool disparaît. Donc, transformation? Chimique. Chimique. Voilà. Donc, je vais ici cocher chimique. Je passe à la dissolution du sucre dans l'eau. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Donc, je vais. Déjà, j'ai la. Tu viens ici, Ziel. Déjà, vous avez vu la réponse avec notre groupe. Donc, là, je vais m'expliquer. Pourquoi c'est une transformation physique? Écoutez là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'eau. La formule chimique de l'eau, c'est H2O. Vous voyez? La formule chimique du sucre. C12H22O11. Donc, avant la transformation, j'ai ça. Je vais mettre le sucre dans l'eau et je vais remuer. Qu'est-ce qui va se passer? Les molécules du sucre vont se dissocier. Mais j'ai toujours des milliers de C12H22O11. Il devient invisible, on ne peut pas le voir parce qu'il est divisé, le sucre, il est divisé en molécules à l'aide de l'eau, vous voyez. Donc, il y a des milliers de C12H22O, ça c'est après. Donc, rien n'a changé, j'ai H2O et cette formule-là, je garde toujours H2O et cette formule-là. Je n'ai pas un nouveau produit. Donc, la dissolution de sucre, c'est une transformation. Oui? C'est une transformation physique. Donc, je vais cocher ici. Vous êtes d'accord? Voilà. Donc, c'est ça la différence entre transformation physique et chimique. Voilà. Ici, comme j'ai dit, vous avez déjà noté ça. L'eau qui coule avant. Ici, j'ai l'eau que je ne peux pas saisir entre les mains. L'eau que je peux saisir entre les mains. Un autre exemple, avant de terminer cette capsule, si je mets un peu de l'eau dans une casserole, par exemple, et un peu d'eau, et je la fais bouillir, l'eau, qu'est-ce qu'il va subir? Une transformation physique ou bien chimique? Je mets de l'eau liquide, et je vais la faire bouillir. Il va devenir quoi, cette eau? Oui? Tu es sûr que c'est chimique? Oui? Il va s'évaporer. Donc, oui, oui, toi? Transformation physique. Très bien, c'est une transformation physique. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi?
Oui, ça va. Parce que l'eau a changé seulement son état de liquide à gaz. Oui, il a changé juste son aspect extérieur. Il était quoi? Liquide qui peut couler et que je peux, et que je peux voir. Et il est devenu quoi? Gaz. Que je ne peux pas la saisir ni la voir, cette eau-là. Ça fait, vous êtes d'accord? C'est clair. Donc, merci, Ziyad.